Bonjour à tous, c'est Doc McCoy, on se retrouve pour le test de Ganryu sur Neo Geo. On va mettre des crédits quand même, comme ça on va pouvoir démarrer le jeu pendant que je vous explique un petit peu ce jeu qui a donc été développé uniquement pour la plateforme MVS et qui est sorti en 99, édité par SNK et développé par Visco. Ce jeu, vous le connaissez peut-être pour sa suite qui est sortie très récemment en 2022, c'est développé par Pixel Art et c'est sorti sur les plateformes récentes. C'est une suite que personne n'attendait puisque ce jeu est quand même un petit peu tombé dans l'oubli et ils ont fait une suite, Ganryu 2, que je ne connais pas, que j'ai pas testé, dont j'ai entendu parler uniquement quand je préparais le test de celui-là. Voilà, donc on va voir ce que ça donne, vous allez voir ce que ça donne. Donc là on voit qu'il y a un tuto, au début de, comme dans beaucoup de jeux d'arcade, il y a un petit tuto qui explique un petit peu les mouvements possibles dans le jeu. Vous avez vu qu'on avait le choix entre deux personnages, Musashi et Suzume. Je vous expliquerai après les différences entre les deux personnages. Donc le pitch, c'est donc Musashi qui a vaincu son ennemi de toujours, Kojiro, qui est un autre samouraï, un autre guerrier. Hein. C'est son némésis, comme on dit, hein, c'est son ennemi juré. Et il a vaincu, et un mois plus tard, en fait, il rentre à Kyoto pour retrouver Otsu, qui est sa promise, en fait, sa fiancée. Et il se passe qu'il y a un gang de ninjas, ce qu'on voit à l'écran, un gang de ninjas mystérieux, qui commet en fait des crimes, notamment des enlèvements, et qui enlèvent des jeunes filles notamment. Et bien entendu, Otsu est enlevé par ce mystérieux gang de ninjas. Là, il y a une cloche, on sait pas trop à quoi elle sert, mais ça ramène des points. Ça ramène 10 points, c'est pas beaucoup. Hein. Et donc, on va aller affronter le gang des ninjas pour savoir un petit peu pourquoi ils ont enlevé Otsu et puis la libérer surtout. Donc vous avez vu qu'il y avait deux personnages, hein, Suzume, de ce que j'ai compris, c'est la sœur de Musashi, et hop là, et en fait elle est juste plus rapide que lui, mais elle est moins forte, et elle a aussi une attaque qui change, je vais vous montrer un petit peu après les commandes, hop. Donc vous remarquez que je fais des trucs qui n'étaient pas dans le tuto, notamment rebondir sur les murs, ça c'est, ah merde, c'était pas dans le tuto ça. On peut faire une petite glissade. Donc on a une touche pour utiliser l'arme. Donc ici c'est un shuriken parce que j'ai chopé une arme à munitions limitées. Mais sinon on a un sabre. Et il n'y a pas de munitions pour le sabre évidemment. Hop, ici vous voyez que on peut en fait il y a plusieurs chemins dans les niveaux et on peut éventuellement revenir en arrière sur l'un des chemins si on a oublié des bonus. Donc ça, c'est un truc que vous n'avez pas vu dans le tuto, c'est qu'on peut... Ah merde, c'est qu'on peut faire un wall jump. Et là, par contre, j'allais sauver deux jeunes filles et je suis tombé. Donc là, je reprends ici. On va pas passer par là parce qu'on est déjà passé par là tout à l'heure. On va passer par au-dessus. De toute façon, j'aurai certainement l'occasion de refaire le niveau 1 puisque je risque de mourir, tout simplement. C'est pas un jeu spécialement facile. En tout cas... J'ai commencé à avoir quelques automatismes sur ce jeu, mais en commentant, c'est jamais facile. Hein. Ouais, on peut pas y aller là. Et ce con de. Merde, ce con de ninja qui pop dans le vide. Donc une des attaques que je vous ai pas montré, c'est qu'on peut faire ça aussi. On peut charger une attaque. Alors quand on charge, on peut pas bouger. Hein. On peut rester statique. Par contre, ce qui est amusant, ce qui est intéressant avec l'attaque chargée, c'est qu'elle est elle est transperçante. C'est-à-dire qu'après, une fois qu'on l'a lancée, on peut continuer à avancer et elle va tuer tous les ennemis qui sont sur le chemin. Donc ça, c'est chiant parce qu'on peut pas se décrocher. Alors, tout à l'heure, j'étais allé par là. Alors, on va aller voir les... On va retourner par là parce qu'il y avait deux jeunes filles à sauver. Les jeunes filles, c'est pas un objectif en soi. Ça ramène des points et surtout, ça donne des bonus. Wow. Ça rappelle un peu Mario World. Hein. De très loin. On va essayer de pas tomber dans la lave. Vous voyez ? On nous donne des... là, c'est des cocktails Molotov. On nous donne des bonus, soit des armes à munitions limitées, comme ici. Alors, les armes à munitions limitées, je vous le dis tout de suite, c'est de la merde dans ce jeu. Vous avez les shurikens, les cocktails Molotov, et une espèce de... Des espèces de boules d'énergie qui gravitent autour de nous. Et qu'on peut propulser en fait devant nous ou selon une direction donnée. C'est de la merde parce que déjà on peut pas switcher entre l'arme. En fait, quand on a une arme à munitions limitées, donc une arme de G, hein,
ça remplace le sabre et on peut pas changer tant qu'on n'a pas épuisé toutes les munitions. De plus, on peut changer si, si alors je les prends pas, hein, vous avez bien compris. On peut changer uniquement si on prend une autre arme de G. Donc, par exemple, si on a les shurikens et qu'on tombe sur des cocktails Molotov, et eh ben ça change, ça passe sur les cocktails Molotov, c'est logique. Mais les armes de G, c'est de la merde parce que ça fait pas beaucoup de dégâts. La portée, elle est pas intéressante. Les shurikens, oui, mais en gros, ça change quoi par rapport à ça, quoi. Par rapport à l'arme de G. Surtout que ce que je vous ai pas montré, c'est qu'on a une autre arme à distance qui est le grappin. Qui sert pas à ça, hein, qui sert à faire ça. À la base, ça sert à faire ça, évidemment. Mais ça, c'est aussi une arme. Alors, c'est une arme assez lente, mais à la limite, c'est une arme. Ça sert à s'agripper à certains, à des troncs d'arbres, à des piliers, à des trucs comme ça. On peut faire ça à la Metroid. Hop, wow, wow. On peut faire ça, c'est très utile dans certains niveaux. Surtout que quand on est en phase de grappin, en général, on peut pas se faire toucher par un ennemi. Ça, c'est assez intéressant. Hop, alors on s'accroche, hein, on s'accroche naturellement aux plateformes. Par contre, faut faire gaffe quand on se, quand on, comme là, quand on ressort d'une accroche, on n'est pas, on fait pas un mouvement d'attaque, on n'attaque pas. Et dès qu'on se fait toucher par un ennemi, soit par un projectile, soit par un ennemi, on a un mouvement de recul assez désagréable. On va arriver au premier boss. Que normalement je devrais battre facilement. Ah, facilement. Donc là on a une petite cinématique. Dans ce jeu on a des cinématiques figées. Donc c'est que des artworks comme ça qui se baladent avec du texte. Là je fais pas passer, ça passe tout seul. Hein. Et on voit qu'on rencontre Kojiro qu'on avait tué. Normalement il est mort. Sauf que là il est plus mort. Donc a priori il est possédé. On verra ça plus loin dans le jeu. Et donc là, il va nous opposer en fait à un boss qui est une espèce de machine, de monstre machine bizarre. On va voir un peu ce que ça donne. Alors sachant que les dialogues bien sûr changent en fonction si on incarne Musashi ou si on incarne Suzume, puisque ils ont pas le même but dans le jeu. Enfin si, ils ont le même but, mais Musashi, lui, il va reconnaître tout de suite Kojiro, alors que Suzume, a priori, non. Ah merde, faire gaffe. Et c'est mi-zombie, mi-cyborg. On dirait un peu la chanteuse d'Erita Mitsuko, mais en robot. Avec le côté poupée de porcelaine. Oh, attention, j'ai sauté au mauvais moment, là. Alors, ça sert à rien de spammer, en fait, les boss ont une frame d'invulnérabilité donnée. Ça sert à rien de spammer les boss, puisque la frame d'invulnérabilité... Merde, je suis mort. La frame d'invulnérabilité, elle est... Donc, ça sert à rien de spammer, en fait. Donc, parfois, il faut aussi... Faut rythmer ses coups, en fait. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a des checkpoints, même quand on part avec un crédit, on a des checkpoints qui nous permettent de reprendre... Même en ayant perdu un crédit, on reprend comme là, juste avant le boss. Souvent il y a un checkpoint avant le boss, mais il peut y avoir des checkpoints un peu plus loin également. Donc là on utilise les touches pour passer. Je vais essayer de tuer le boss, comme ça on passe au niveau 2. Merde, je suis trop loin. Ah putain. On va se concentrer. Non, je voulais pas sauter en face. Oh putain, je voulais pas faire ça. Ah, je suis mauvais. Voilà, on peut faire la glissade pour passer derrière lui. Ça dure pas longtemps, hein, cette phase en robot, mais après, il faut se concentrer sur sa tête. Alors, voyez, par exemple, si je fais ça exactement le même mouvement, c'est-à-dire d'essayer de le toucher quand il est tout en haut avec Suzume, ça ne marche pas parce qu'elle a pas la même portée des coups. Hop là, j'ai fait un coup de trop. Elle a pas la même portée des coups en hauteur. Ah, mais j'ai voulu sauter. Ça va être long, ce test. C'est un jeu qui est difficile. Hein. Je vous dis, j'arrive à le gérer, notamment les boss. J'ai les patterns en tête et tout correctement quand je joue tout seul. Mais alors, avec le texte à côté là, que je suis censé vous commenter le jeu et vous expliquer ce que j'en pense, c'est dur. Alors vous dites, ouais, pourquoi t'as pas gardé une arme de G et tout. Je vous dis, les armes à distance, elles font vraiment pas de dégâts.
Putain, là, je sais pas où je suis. J'étais dans le boss. Alors, je sais pas. Là, j'ai réussi à le toucher parce que la glissade fait mal. La glissade, c'est pas qu'une glissade, c'est pas que pour se déplacer. Hop. C'est pas que pour se déplacer, c'est aussi pour... Attention. Normalement, quand on le... Hop. Quand on l'attaque comme ça en hauteur, il descend pas trop en fait. Il y a un rythme, hein, puis ça dépend. Hop, ça dépend de nos patterns à nous, ce qu'on a fait comme coup, lui il s'adapte. Hein. Hop. Il est bête au mort. Encore un petit coup normalement. Là, il va faire du feu, voilà, c'est vite. Comme ça on va passer au niveau 2. Vous verrez un peu ce que ça donne. Parce que comme j'ai mis des crédits, tant que j'ai pas 0 crédit, je vais jamais reprendre au début du jeu. Donc puis il faut avancer un peu. Donc bien sûr, en fin de niveau, on a un décompte par rapport au temps qui nous reste, par rapport à la santé qui nous reste, par rapport au nombre de jeunes filles qu'on a sauvées. Donc c'est ce que je vous disais, hein. C'est quand même un objectif par rapport aux points. Ça rapporte des points en fin de niveau. Et surtout, ça donne des bonus. Donc pareil, hein, vous avez un petit intitulé. Avant chaque niveau, vous avez un petit intitulé, comme là, Assassin... Avenger. Et en fait, preuve que le but n'est pas tout à fait le même entre les deux personnages. Vous avez un intitulé différent selon qu'on joue avec Musashi ou selon qu'on joue avec Suzume. Mais bon, au final, le jeu est le même et les boss sont les mêmes. Enfin, la finalité du jeu est la même. Vous voyez ce que je vous disais ? On peut lancer cette attaque et la suivre. Enfin, une petite chute d'eau. Où on ira jouer dedans plus tard. Des fois il y aura des faux murs, hein, mais pas ici. Mais parfois il faut regarder, il y aura des faux murs. Alors ici, hop, on remarquera que les ennemis sont absolument pas affectés par les pièges. Alors que nous, oui, bien entendu. Les ennemis, ou même parfois vous avez des personnages qui se promènent. Alors ici on a un des seuls ennemis qui ne soit pas un ninja, c'est la petite grenouille. On sait pas trop à quoi elle sert. Ah putain, lui est chiant. Faut pas hésiter à jeter une petite attaque comme ça pour faire le ménage devant. Alors là, on a un petit bonus, faut pas oublier d'aller le récupérer. Donc on a en fait deux items de santé. On a la brochette. Ça porte des noms, alors. Ça porte des noms japonais, c'est plat. Toriyaki, Topanyaki, je sais pas, machin, Yaki, j'en sais rien. Mais je connais pas les noms. Je sais qu'il y a donc la petite brochette et le gâteau de riz. Et je me sers beaucoup de ça ici parce que je sais qu'il y a des mecs en vert avec des arcs et ou des qui lancent des projectiles qui sont juste là. Voilà, lui notamment. Ou lui. Et donc je me prive pas de les dégommer. Hein. La chute d'eau. Donc la chute d'eau, on peut faire ça aussi. Normalement, attendez, hop. Ah. Ah bah pas ici. Là, je suis mort. Salopard. On peut rebondir sur les murs et on peut trouver des passages secrets. Vous voyez là, les ennemis qui étaient en haut m'ont suivi. Donc faut faire gaffe à ça parce que parfois vous aurez des ennemis qui pourront vous suivre. Donc je vous ai dit quoi? Je vous ai dit à l'écran, qu'est-ce qui s'affiche à l'écran? Le score, le timer. Donc pour le timer, on pourra trouver des petites horloges pour remettre du temps s'il y a besoin. Parce que parfois en fouillant les niveaux... Oh là! Faire gaffe parce que le temps qu'on concentre notre tir secondaire, notre arme, notre attaque spéciale, on est vulnérable forcément. Oh putain! Je sais qu'ils sont là en plus, hein. Je connais le jeu, mais je me concentre pas, donc voilà. On va sauver une petite nana. Hop. Ça, je vais m'en débarrasser parce que... Ces saloperies là, de shurikens, je vais m'en débarrasser. Shurikens, je vais m'en débarrasser parce que... Voilà. Voilà, un petit timer, comme vous pouvez le voir, et alors... C'est pas ici, mais un peu plus loin, on aura un passage secret où on pourra choper. Hop, c'est pratique pour eux surtout. Même si on a quand même l'attaque spéciale, c'est quand même pratique. C'est pour les mecs qui tirent à distance.
Non, c'est pas ici. Oh, tant pis. Ici, peut-être. Non. Ici, on a une nana à libérer. Donc ça, c'est le pouvoir des boules. Vous voyez, ça nous protège. Et en même temps, on peut le propulser sur, sur les ennemis. Mais vous voyez, c'est très, 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 très lent. Et je j'aime pas du tout ces, ces attaques spéciales. C'est lent. Alors ici, attention, ces trucs-là, ça redescend. Ça s'effondre. Après, on peut le garder sur soi. On peut continuer à avancer avec. Il va partir tout seul au bout d'un moment. C'est au cas où on a un ninja qui nous pop dessus, c'est bien pratique. Hein. Vous voyez, ça, le champ de... Le diamètre du truc s'augmente. Ici, hop, faut pas hésiter. Par contre, j'ai oublié, il y a une petite nana ici. Alors, là, le gâteau de riz. Le gâteau de riz, c'est full vie, me semble. Eh ben, attendez, je me trompe de bouton. J'appuie sur un bouton qui n'est pas assigné. Oh non, attendez, je m'en débarrasse. Parce que pour le boss, c'est même pas la peine. On va dire, oh, c'est bien, il y a des armes, il les jette. Je vous dis, les armes secondaires dans ce jeu, c'est une catastrophe. Ici, on va affronter le boss, donc on va avoir de nouveau Kojiro. Il cherche Kojiro, mais en fait, on tombe sur ce mec là avec le sac sur la tête. Qui va se transformer en monstre. En démon, quoi. Donc vous l'aurez remarqué, le jeu comporte des niveaux alternatifs, enfin pas des niveaux alternatifs, mais des passages alternatifs. On peut passer en haut, en bas, au milieu, on peut revenir en arrière et tout, c'est pas linéaire du tout. Les niveaux sont longs dans leur construction, sont vastes dans leur construction, assez courts à passer d'une traite, mais quand même, ils sont pas courts, ils se passent pas en 10 secondes, quoi. Et il y a pas mal d'endroits où on peut trouver des bonus, des jeunes filles à sauver... Des one-up pas tellement, mais des items de santé, des armes secondaires qui servent à rien. Alors, on y va pour le boss. Donc lui, il est casse-couille aussi. Il fait ça. Hop, ben voilà, je me suis bourré. Il y a une technique, hein. Encore un qui... Il faut... Hop. Attention. Voilà, j'ai raté. Il va nous balancer des démons aussi qu'on pourra shooter. Pas hésiter, hop. Ah, ça c'est chiant, voilà. Ça c'est chiant. Les attaques sont pas évidentes à éviter, mais comme on peut quand même. Voilà, les démons à shooter. Là, il nous a fait les deux en même temps. Il m'a fait ça et les autres démons. Ça c'est chiant. Bon, je vais mourir. Et hop, tiens, on va mettre son nom. Ça sert à rien, mais bon. Si, ce que j'allais dire, c'est que si j'ai envie de vous montrer par exemple plus tard le gameplay avec Suzume, je peux aussi faire ça. Mais pour l'instant, non. Je vais continuer avec Musashi un petit peu. Et éventuellement, je reprendrai le début du jeu avec Suzume si je suis bloqué à un endroit. Ouais, là, on a direct le boss. Hein. Et au passage, je vous parlerai des graphismes après. Parce que. On va d'abord essayer de battre ce boss. Si on n'y arrive pas, je vous parlerai des graphismes et on prendra éventuellement le début du jeu avec Suzume. Voilà, c'est mieux comme ça. J'avais oublié qu'on pouvait faire comme ça. Ah merde, putain. J'ai pas fait comme je voulais. Mais putain, ça c'est la manette Xbox. J'ai voulu faire une glissade et il m'a trollé. Vous voyez, ce qui est chiant, c'est qu'on a quand même des flammes qui restent longtemps à l'écran. Eh, je vais l'avoir. Hein. Ah putain, ah non, je suis pas mort. Je ne suis pas mort. Par contre, lui, oui. Vous voyez, les boss, ça passe bien. Alors, faut connaître les patterns, mais si on arrive à éviter 2-3 attaques sur les premiers boss, ça passe quand même relativement bien au bourrinage. J'ai eu du bol. Je pensais que j'étais mort, là. Donc j'ai eu du bol. Les graphismes. Moi je vous dirais que je trouve que ce jeu a des décors assez fins et détaillés. Des animations soignées. Notamment les cutscenes, même si elles sont figées, elles sont très jolies. Mais, il y a un mais. On est en 99. On est sur Neo Geo, la machine 16 bits la plus puissante des années 90. Machine d'arcade. Enfin, machine de salon. Une des seules machines de salon de l'époque dont le hardware est rigoureusement le même pour la version arcade que pour la version salon. Même si le jeu n'est pas sorti sur version de salon,
s'il était sorti, il serait rigoureusement identique. Donc, machine très puissante, et on n'est clairement pas... Attendez, hop, ici on peut faire ça. On n'est clairement pas sur le début de carrière de la console. Donc, quand on regarde les sprites, ça reste quand même assez pauvre pour l'époque. C'est beau, hein. C'est beau, c'est bien animé. Enfin, moi, je trouve. Moi, j'aime bien. J'aime bien l'ambiance. J'aime bien le comment les personnages, comment tout est restitué. Mais faut admettre que c'est daté pour l'époque de sortie du jeu et pour la plateforme de sortie. Voilà, c'est... Les mauvaises langues diront que c'est un jeu qui aurait pu sortir sur Super NES. Peut-être pas en 99. Mais non, sans déconner. C'est un jeu qui est pas à la hauteur des capacités de la Neo Geo, notamment en 99. Graphiquement parlant, j'entends. Après, moi j'aime bien, c'est détaillé, c'est... voilà, ce qui est embêtant, c'est vrai qu'on a des tout petits sprites, alors que vous avez des jeux de baston sur Neo Geo qui nous ont habitués à des sprites beaucoup plus gros, à une finesse de dessin beaucoup plus importante. Mais bon, moi j'aime bien. Après, on est d'accord que la réalisation, elle est pas ouf pour l'année de sortie du jeu. Un peu comme mon skill, vous voyez, pas ouf non plus pour quelqu'un qui teste depuis aussi longtemps. Mais bon, c'est pas grave. Mais voilà, donc la réalisation, elle est datée pour l'époque de sortie du jeu. Malgré tout, ça reste un jeu que je trouve, moi, bien animé et bien détaillé. Voilà. Mais après, il y a beaucoup... Enfin, on pouvait faire beaucoup mieux sur la Neo Geo en 99, clairement. Oh! Ouais, c'est le piège, c'est qu'ils sont deux. Voilà. Ah putain. Là, il faut pas hésiter à faire des glissades dans la pente parce que bah on fait pas véritablement de glissade. Alors, faut faire gaffe à ces espèces d'épées là. D'épées géantes. Bah, on arrive au boss là déjà. On arrive déjà au boss. Pareil, un boss qui se passe bien au bourrinage si on anticipe bien les patterns. Quand une espèce de grosse bestiole mi-plante, mi-monstre dégueulasse. Et on retrouve Kojiro qui revient. Je vous ferai un petit bout de niveau 4 et après je vous remontrerai juste le début du jeu avec Suzume. J'ai pas parlé de la musique, bande-son qui sonne très japonaise pour les niveaux et plus rock pour les boss. C'est rigolo ce petit contraste, c'est assez courant hein, dans les jeux tendance japonaise où ils aiment tout aussi bien la musique, les sonorités traditionnelles avec les instruments traditionnels et des trucs un peu plus punchy, un peu plus rock avec de la guitare électrique et tout ça pour les boss. Les bruitages sont corrects, notamment les coups d'épée, les trucs comme ça, les bruits de choses qui se brisent, les bruits de tranchants, c'est très réaliste, c'est des patterns, enfin c'est des bruitages assez connus à l'époque qu'on trouve sur beaucoup de jeux. Attention, quand il fait ça, ça au pareil, c'est comme les démons au premier niveau, ça, enfin au deuxième boss, ça se détruit. Attention, là, vous voyez, ils combinent. Voilà, je les ai eus. Ça, si on reste là, ça craint pas. Faut surtout pas se mettre ailleurs. Bon, évidemment, là, hop, Les boss, en fait, ils ont des patterns et ils aiment bien mixer, en fait, les attaques. Ce qui est une très bonne technique. Hein. Et parfois, ils nous surprennent, c'est-à-dire qu'on s'attend à ce qu'ils vont faire, s'ils vont mixer les attaques et tout. Non, j'en veux pas de ça. On s'attend à ce qu'ils vont faire, mais au final, parfois, ils peuvent nous surprendre en mixant deux attaques qu'ils n'ont pas l'habitude de mixer. Mais normalement, je devrais le battre. Normalement. Vous voyez, tout à l'heure, il n'avait pas commencé par cette attaque. Enfin, en tout cas, il avait commencé par cette attaque, mais il n'avait pas... Putain, j'arrive pas à m'en débarrasser de... Il n'avait pas fait les bestioles, les saloperies. Du coup, il les refait. Et moi, je bouge pas comme un con. Là, c'est plutôt mal engagé. Hein. Ah! C'est plutôt mal engagé pour moi. Ce qui est intéressant, c'est quand on arrive à le bloquer pour qu'il fasse plusieurs fois la même attaque. Et parfois, c'est pas... Enfin, les mecs qui font du speedrun, ils vont vous dire « Bah si, il faut faire telle séquence, tel machin, tel bidule. » Moi, je fais pas de speedrun, donc je peux pas vous dire que je le fais exprès. Mais parfois, on a... Putain, j'ai réussi à me faire toucher en faisant des glissades, quoi.
Au passage, vous remarquerez que quand on se fait toucher, on perd quasiment un quart de la barre de vie. Ça va très très vite, hein, les dégâts dans ce jeu. Des fois, on essaye de gratter un coup d'épée. Des fois, c'est payant. Des fois, non. Merde! Là, il faut, ça, faut faire attention entre le moment où on, évite ses flammes et le moment où on saute. Putain, dégage-toi. Voilà, je vais crever, c'est sûr et certain. J'arriverai jamais à le battre, il lui reste la moitié de la barre de vie. Là, tu voyais, j'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû rester au contact, attendre et partir plus loin au dernier moment. J'ai pas de grosses difficultés. Bon, je vais pas glisser comme tout à l'heure parce que j'ai perdu bêtement de la vie en glissant. C'est un peu con. Voilà, c'est mieux comme ça. Sachant que si on a des ennemis qui nous suivent, évidemment, dès qu'on arrive au boss, ils disparaissent. On va y arriver. Ah, il devrait. Vous voyez, là, je suis un peu coincé parce que j'avais pas prévu qu'il ferait, les chenilles. Ah, merde. Oh, putain. J'étais bien parti pourtant, là. Hop. Hop, faut pas hésiter à faire saut et coup d'épée en même temps. Ça permet de gagner un peu de temps. Donc ça, ça va. Voilà, ça, quand on fait ça... Merde! Quand on fait saut et coup d'épée en même temps, parfois on arrive à les toucher. Allez, 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 on y croit, on y croit. Refais une attaque de merde. Pas celle-là. Ah, putain, c'était pas loin. Sinon, prochain continue, on repart au début du jeu avec Suzumiya. Vous avez remarqué que nous-mêmes, d'ailleurs, nous avons une toute petite frame d'invulnérabilité. Ça dure pas longtemps. Et on a un gros, gros, gros mouvement de recul dès qu'on se fait toucher. Voilà. On y va. On se concentre. On se concentre. On va y arriver. Peut-être. De toute façon, j'ai pas envie que le test, il dure une heure. Hein. Ah, barrez-vous. Marrez-vous, con de mime! Ouais, hop! Con de chenille de. Saloperie de. Hop! Putain. Bah, ça, quand il fait ça, c'est bien. Quand il fait ça et pas autre chose, c'est bien. Ah, j'étais bon pourtant, là. Attention! Voilà. Ouais, y en a d'autres, bien sûr. Ce qui est bien, c'est que. Oh! Bah, comment? Ah, ça c'est bien. Coup de chance. Mais bon, j'arriverai pas à le battre quand même. À moins que. Bourrinage. Oui. Là, c'est pas passé loin. Bon, ça va. Ça, je peux vous montrer le niveau suivant vite fait. Niveau suivant qui a une particularité un peu casse-pied. C'est des espèces de troncs sur lesquels il faut utiliser absolument le grappin. Parce que vous avez remarqué que le grappin, pour l'instant, on s'en sert très peu. Hein. Là, on va être obligé de s'en servir à un endroit bien précis. En espérant que ça bug pas. Parce que parfois, ça bug un peu. Et puis je vous montrerai après sous zoomé vite fait. Là, j'ai. Si on regarde bien, on a ça. Je le prends pas, hein. Je prends toujours pas les armes. Vous remarquez qu'ici il y a de l'eau. Et vous allez voir, à un moment donné, il n'y aura plus rien que de l'eau. Comme ici. Et il faut utiliser ça. Mais il faut bien timer. Alors là ça va. Mais il y en a d'autres ici. Il faut bien timer. Sinon, le truc pop pas correctement. Voilà, bon là c'est bon. Je l'ai passé. Et j'ai déjà eu des problèmes avec ça. Merde. Ça c'est chiant. Attendez, je vais essayer de me mettre juste au bord. Voilà. Attends, non. Là. Comme ça, je vais essayer de pas le. Hop. Voilà. L'éviter lui parce qu'il est chiant. C'est un mec qui balance une pierre, mais il la balance pile à l'endroit où on est. Les oiseaux, évidemment. Que serait un jeu de ninja? Oh putain. Je suis mort là? Non. Que serait un jeu ninja sans oiseaux, sans oisal? Je vous le demande. Et là, bien sûr. Bon, attendez, je vais passer en bas. Je vais pas m'emmerder. Parce que je vais crever, là. Hein. Ce que j'aimerais bien, c'est atteindre un checkpoint. Hop. Normalement, il n'y a plus trop de passages avec le... Hop, avec les... Ah oui, ici. Ici, regrappin avec les troncs qui popent. Et ici, c'est très aérien comme niveau. Hop. Oh.
C'est très aérien, c'est un peu chiant, mais c'est bon. Après, c'est le but du jeu, hein, c'est aussi de nous proposer des trucs comme ça. Je vais pas faire continue. Comme ça, je vous remonte le début du jeu, mais avec sous-zoomé. Vite fait, puis on se conclura là-dessus. Donc, sous-zoomé, vous voyez que Power, elle est beaucoup moins puissante, mais elle est plus rapide. Enfin, elle a plus de dextérité. Vous allez voir, son attaque spéciale, elle est différente également. Sert pas à grand-chose non plus, mais elle est différente également. D'ailleurs, bon, évidemment, la gestion de la son attaque spéciale, vous voyez, c'est une grosse vague. Contrairement à celle de Musashi, qui a un truc un peu plus... Vous voyez, elle tape plus vite, mais d'un autre côté, elle est moins puissante, quoi. Et vous allez voir, enfin, vous allez peut-être pas faire attention, parce que si vous êtes comme moi, comme beaucoup de joueurs, vous lisez pas spécialement les dialogues qui se passent à l'écran. Mais en fait, le jeu est plus difficile avec Suzume. Parce que bah, elle est moins forte, tout simplement. Elle est plus rapide, mais elle est moins forte. Enfin, ça sert toujours à rien. Elle est moins forte, et notamment quand elle tape vraiment tout droit. Alors que Musashi, il y a une petite partie du hit qui se fait vers le haut. Notamment, c'est pénalisant pour le premier boss. Et elle n'utilise pas des shurikens, elle utilise des kunai. Vous voyez, hop, la trajectoire est pas la même, elle en lance deux. Bon. C'est voilà, c'est une autre différence. Ici, il y a un passage. C'est le même que tout à l'heure. Hop, vous voyez, hop, son arme spéciale à elle, c'est pas les mêmes non plus. Elles servent toujours autant à rien, hein. Clairement, les armes spéciales, moi, je les aime pas. Mais disons que c'est pas mal, quoi. C'est pas mal d'avoir des différences. Vraiment, entre les personnages. Même si, globalement, je trouve que le jeu est quand même plus difficile avec Suzume, hein. Donc, le jeu, vous me direz, on est arrivé à la fin, là. On est arrivé au niveau 4 sur 5. Il y a 5 niveaux en tout, sachant que les deux derniers niveaux sont pas excessivement longs. Je vous dis, à part le petit problème que je vous ai dit au niveau des troncs, qu'on n'a pas vu dans ce que je vous ai montré. Sinon, le niveau 5 se boucle assez rapidement, et les deux derniers boss sont quand même assez compliqués. À lui. Vous voyez, là, hop. On pense qu'elle saute plus haut, mais c'est une impression. Mais elle est plus rapide. La bouffe. Elle est surtout plus rapide à taper, comme ça. Et puis, ses armes spéciales sont différentes. On va voir, si vous allez voir, c'est particulièrement flagrant sur ce boss. Et donc là, les dialogues sont pas les mêmes, puisque bah lui, il la connaît pas, il sait pas qui c'est, hein. Alors je dis des conneries, c'est pas la sœur de Musashi, c'est la sœur de Otsu. Suzume. C'est la sœur de Otsu, donc c'est la belle sœur de Musashi. Donc sur ce Ganryu, si on passe sur la réalisation faiblarde par rapport aux capacités de la machine à date de sortie, encore une fois, moi je trouve le jeu très joli et très détaillé, mais... Forcé de constater qu'à l'époque on faisait mieux, surtout sur Neo Geo. Ganryu, c'est un ninja game à mi-chemin entre Shinobi et Bionic Commando pour le côté grappin, même s'il n'est pas énormément utilisé. C'est un jeu qui est linéaire dans le principe, mais qui est. Hop. Hop. Merde. Bon, toujours pareil, hein. Merde. Elle a fait deux fois la mitrailleuse. Ah merde, j'essaie de lire mes notes, je me concentre pas. Donc vous voyez ici par exemple, et eh ben normalement avec Musashi, si je faisais exactement le même coup là, quand elle est en l'air, comme ça, quand elle est tout en haut ici, je peux la toucher avec Musashi, je ne peux pas la toucher avec Suzume. Vous voyez, ça ne marche pas. Donc c'est embêtant, ça fait que ce boss il va être globalement plus long, et peut-être même, et même carrément plus dur avec Suzume.
Surtout s'il fait ça. Et en plus, vous voyez que j'ai niqué mon timer. Merde. Ça arrive, première fois que ça arrive dans ce test. Je suis arrivé à moins de 15 secondes, le jeu vous dit hurry up. Parce qu'évidemment, si vous faites un time over, c'est fini. Hein. Bon, ça, c'est pas tellement gênant quand on joue comme moi ou comme vous, quand on joue sur émulateur avec les crédits illimités. Hein. Voilà. Donc c'est un jeu qui est intéressant avec des niveaux quand même assez vastes, même si linéaire est assez court dans le principe. Hein. Vous voyez, ça sert à rien de bourriner en fait. Hein. Faut donner des coups au bon moment parce que sinon bah, on perd en fait des frames. Merde. Je sais qu'il va faire ça pourtant. Vous voyez, là ça sert à rien. Je vais pas le toucher si je me mets là. Faut attendre qu'il descende. Ah putain. Attention le feu. Et là ça sert à rien. Ouais, c'est beaucoup plus difficile à battre lui. Pourtant il est bidon, enfin il est bidon. Une fois qu'on connaît ses patterns, il est plutôt simple hein, mais on peut pas le toucher quand il concentre son coup comme ça avec Suzume, on peut pas. Voilà. Comme ça on peut faire niveau 2 même si vous l'avez déjà vu. On va se conclure là-dessus. Le jeu possède un challenge relevé, mais avec un petit peu d'entraînement, on y arrive. Hein. Même moi, qui suis un piètre joueur, en tout cas, j'ai réussi quand même à quasiment aller jusqu'à la fin. Enfin, j'ai été aux deux tiers du jeu dans ce test sans, entre guillemets, trop de difficultés. Donc ça se prend. Moins avec Suzume, plus avec Musashi. Hein. C'est avec Suzume, c'est un peu plus dur. Parce qu'elle est un peu plus faible. Elle est beaucoup plus faible au niveau des coups. C'est surtout pour les boss en fait. Pour les ennemis ça change pas parce que la plupart des ennemis tu en as un seul coup. Au passage je vous ai pas parlé des ennemis. Vous aurez remarqué que les ennemis c'est essentiellement des ninjas bleus, des ninjas rouges, des ninjas verts. Donc c'est un jeu RGB hein, n'est-ce pas. Et quelques piafs. Mais à part ça quelques piafs et une grenouille. Une seule. Mais à part ça c'est essentiellement des ninjas. Je vais essayer de vous montrer l'autre bonus là, l'arme secondaire que je vous ai pas encore montré avec elle. Et puis on va se laisser là. Hein. Qu'on retrouve les pièges. Ah putain, je l'avais pourtant. Attends, il va réapparaître là lui, non. Mais j'ai voulu glisser. J'ai encore voulu glisser. Bon, c'est pas grave. C'est toujours ma diagonale. Alors la grenouille. Grenouille explosive. Ça, c'est toujours la bombe. Ça c'est intéressant comme arme quand même, Zoris. Bon, à part pour lui, mais c'est relativement intéressant parce que ça glisse le long du sol, on peut le suivre, c'est plutôt intéressant. Et vous voyez, on garde, je vous l'avais dit ça je crois, on garde ses armes secondaires même quand on meurt. C'est assez rare ça parce que dans la plupart des jeux, quand on a une arme secondaire, on la perd quand on meurt. On reprend avec l'arme de base. Ici non. Preuve que c'est des armes absolument inutiles, sinon on nous les laisserait pas. Si elles étaient cheatées, on nous les laisserait pas. Hop. Donc moi Ganryu c'est un jeu qui m'a paru quand même. Non je prends pas ça. Qui m'a paru relativement ardu au premier abord. Puis avec un peu d'entraînement, bah on s'amuse bien, ça passe bien. C'est un jeu dont la réalisation moi me plaît. Maintenant, c'est sûr que pour 99 on pouvait faire mieux. C'est un jeu que je recommande aux amateurs de Ninja Game et de Shinobi, notamment, parce que ça rappelle quand même pas mal Shinobi. J'en veux pas de ta merde. Hop. Certains ninjas rouges, ils nécessitent deux coups, hein. Donc faut faire gaffe à ça. Wow. Ici, on va faire comme tout à l'heure avec Musashi. On va utiliser cette vague. C'est exactement la même attaque, hein. C'est juste qu'elle est plus grosse, elle fait pas spécialement plus de dégâts. Elle a une plus grosse portée. Donc c'est un jeu qui m'a paru ardu au premier abord, mais finalement, on s'y fait. C'est un jeu court, c'est un jeu sympathique. Moi j'aime beaucoup. Voilà, j'aime bien le côté Japon médiéval, j'aime bien le côté où on dégomme du... Non, j'en veux pas de ça. On dégomme du... Hop, je crois qu'on peut aller là. Ouais, et ici normalement on a cette arme qui est exactement la même.
c'est exactement la même. C'est, ça par contre ça change pas de, entre Musashi et Suzume, c'est exactement la même. J'étais plus sûr. Parce que je joue très peu avec Suzume, évidemment. C'est un jeu que je vous recommande. Si vous êtes amateur de jeux à la Shinobi, si vous aimez les jeux d'arcade un peu ardu, pas trop. Enfin un peu ardu mais pas trop long. Pas trop technique, hein, parce qu'il y a quand même pas non plus 50 000 commandes. Mais si vous aimez ce genre-là, allez-y, foncez, c'est sympa. Et avec un peu d'entraînement, on y arrive assez facilement. Enfin, en tout cas, les trois premiers niveaux, ça se boucle bien. N'hésitez pas, c'est un jeu sympathique. Voilà, moi j'ai trouvé. Merci à tous d'avoir suivi ce test quelque peu chaotique, comme tous les tests d'arcade que je fais, de Ganryu sur Neo Geo. A bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Doc McCoy. Salut!